Ça va, désolé. Oui, oui, ça va. C'est moi, excusez-moi, je suis désolée. J'aurais pu faire attention. Non, non, c'est moi qui n'ai pas fait attention, désolé. Bah, on va dire qu'on n'a pas fait attention tous les deux, quoi. D'accord. C'est notre faute à tous les deux. Et si on... Enfin, on pourrait peut-être... Enfin, on pourrait peut-être prendre un café ensemble. D'accord, avec plaisir. Bon. On s'échange le numéro. Ouais. Vous avez un stylo? Non, pas là, non. Moi non plus. Je vais vous enregistrer sur mon portable. D'accord. Alors 06 24 ouais. 32 54 38. Igor. Ok. Igor. Bon, bah alors c'est moi qui vous appelle. D'accord, c'est vous qui m'appelez. Je vais quand même vous enregistrer sur mes contacts Outlook. Ok. Ben moi c'est Anna. Ouais. 06 44 22 32 62. Et si on prenait tout de suite ce petit café? D'accord. Super. Bah écoutez, vous prenez les tasses? Elles sont là. Génial. C'est sympa ici pour faire connaissance. C'est bon. C'est vrai? C'est ma grand-mère qui l'a fait. Ah oui. Mamie! Elle fait du bon café. Elle est derrière vous. Tu veux un café? Pour la Toussaint, j'ai été en vacances dans un club de vacances pour rencontrer un petit peu de gens. Et c'est vrai que c'est très bien organisé dans ces clubs quand on voyage toute seule. Par exemple, pour le dîner, il y avait une table exclusivement réservée aux célibataires. Alors le premier soir, il y avait des gens vraiment sympathiques et qui n'avaient pas non plus de partenaire. Et bon, le deuxième soir, c'était un petit peu bête parce que j'étais toute seule à la table. Mais bon, j'ai eu mon diplôme de baptême de plongée. J'ai réservé en direct avec l'hôtel à la Havane. À la Havane? Et ça t'a coûté combien? J'ai super bien négocié. Deux chambres, une salle de bain, la télé, le DVD, enfin tout pour 50 dollars la nuit. 50 dollars? Ouais, c'est rien. Hein. Mais carrément, c'est donné. Ah, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Moi, je passe toujours par un tour opérateur. Tu réponds pas? Non, c'est mon ex. Il a une sonnerie spéciale. C'est écrit crétin? Ouais, c'est lui. Tu veux pas couper ton portable? Non. Tu veux pas couper ton portable? Non, 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 allez. Mais non, c'est pas ça, c'est que, tu vois, j'ai besoin de savoir combien de fois il essaie de m'appeler. Madame. Merci. Votre portable, madame. Je peux pas répondre. Je lui ai dit pourtant. Oui, je vois ça. Et de trois. Je crois qu'il a vraiment envie que je revienne. Hein. Mais toi, qu'est-ce que tu veux, alors? Moi, je veux le laisser mijoter. 4. Et combien de temps tu pars à la Havane? Bon, écoute, je crois vraiment qu'il faut que tu fasses quelque chose. Mais je veux pas lui parler, Isabelle. Tu gênes tout le monde. Oui. Au cas où vous ne l'avez pas remarqué, votre portable est en train de sonner. Oui. Mais si vous voulez, monsieur, c'est mon ex et j'ai pas du tout envie de répondre. Ah oui, vous voulez savoir combien de fois il appelle, c'est ça? C'est cela, oui. C'est pas mal pour un mec. Café Bifort, Sylvain, j'écoute. Oui, elle est ici, oui. Voilà, c'est ça, en fait, elle veut pas vous parler. Ouais, mais je vous en prie. Non, moi, je suis le serveur. Voilà. Merci, au revoir. Merci. Je vous rendrai la batterie avec l'addition, hein? Non, mais vous êtes fous, quoi? Maintenant, il sait que je suis ici? Et alors? Comme ça, on aura la paix, hein? Ouais, eh ben, tu te rends pas compte de ce que tu viens de faire? C'est lui.
Je te jure, c'est lui. Mais ta carte, mets ta carte, il va te reconnaître. Va le voir. Non, hein. Je vais pas le voir. Justement, il attend que ça, Isabelle. Écoute, moi, j'en ai marre, hein. À chaque fois qu'on se voit, c'est toujours la même chose. Non. Alors, écoute, tu me mets la honte à chaque fois, ça suffit. J'en ai marre. Non, non, Isabelle, mais me laisse pas avec lui. J'en ai marre. Ah, c'est ça, alors, c'est ça. Alors, en fait, tout le monde est contre moi. Ok, super. Merci.